bon générique. Le bon, il est bon, c'est bon générique. Bon, le bon générique. Allez, Fuerte qui a deux doigts de remporter ce match, sortir un gros mec. YouTube. Non. Patate. Incroyable. Formidable, sensationnel. Je ne sais que dire. Bonjour à tous et bienvenue pour eh bien, cette couverture du NorCal Régional. C'était le week-end, le deuxième major de l'année, encore une fois aux États-Unis, encore une fois avec un décalage horaire absolument gigantesque, quoique les phases finales étaient plutôt dans des horaires assez regardables pour nous, puisqu'ils avaient avancé Street, étant donné que ça n'allait pas être le main event du NorCal. C'est une bonne idée de la part des organisateurs de tournoi. Je ne sais pas réellement ce qu'en pensent les joueurs qui ont participé au tournoi, mais globalement, j'ai trouvé le tournoi d'une grande qualité, et surtout l'avantage du NorCal, c'est qu'il est gavé de sub-tournament avec des tas de jeux. J'ai vu les mecs s'affronter sur Samurai Zero Special, j'ai vu les mecs s'affronter sur Ultra Street Fighter 4, j'ai vu des tournois de Melty, j'ai vu des tournois de tout et n'importe quoi. Il y avait un gros niveau à KOF 14, un gros niveau à Street 5, un gros niveau à Tekken et un gros niveau absolument partout. Ce qui fait une couverture évidemment qui va être très très grande, et je ne sais pas si je vais pouvoir la tirer de mon côté, mais on va essayer de faire de notre mieux. Vous n'avez pas besoin de voir mon pognon, vous avez juste besoin de voir Brindibou. Voilà, Brindibou m'accompagne, voilà, c'est lui, il est là. Aujourd'hui, du coup, on va se faire... Pas beau, la Donatello. Terrible, ça. Alors, si ça fait des vieux bruits de micro, désolé. Hein. Donatello, bordel. Voilà. Là, il est plus beau comme ça. Aujourd'hui, on va se faire... Fait n'importe quoi, les pires vidéos de l'histoire. Eh bien, un petit résumé du top 8 de ce NorCal, sachant qu'il y a énormément de matchs hors top 8. Très intéressant, très très intéressant. Je vous invite vraiment à aller mater les matchs hors top 8. Peut-être même que je vous en proposerai beaucoup, mais comme j'ai très peu de temps pour enregistrer dans ce placard avant que le lunch play ne prenne, on va immédiatement enchaîner avec eh bien, ce début top 8 et les demi-finales. Winner, bien entendu, tu es un winner, je suis un loser. Les demi-finales winner qui va opposer John Takeuchi face à Tokido. Globalement, donc... Je le rappelle, on l'a vu, le final round, écran de merde, organisation qui allait, mais globalement, un tournoi très datant, avec 10 années de retard, on va dire, sur les standards d'aujourd'hui. Pour ce NorCal régional, on semble pas du tout être dans la même structure, on a des écrans, des micros pour tout le monde, et bizarrement, on a un top 8 cohérent, et ça, ça fait méga plaisir. Cohérent avec Tokido, Takeuchi qui sont là, les Rashid, hein, Rashid qui est probablement le meilleur perso du jeu, encore aujourd'hui, hein, c'est sur quasiment toutes les tier list, non seulement il est top tier, mais en plus il est top tier avec, noté comme ultra rentable et efficace, c'est-à-dire pas non plus prise de tête pour devenir top tier. Donc c'est pas étonnant de revoir Takeuchi et Gachikun dans ce top 8, on va voir Fudo, on va voir Tokido, on va voir Punk, on va voir Smug, on va voir... Fudo, si je sais pas ce que j'ai dit. En tout cas, vraiment une liste de top 8 absolument bonne. Et quand on voit que Problème X est mort juste avant le top 8, qu'il y a des tas de bons joueurs qui sont morts juste avant le top 8, on regarde le top 32 et on se dit, ah ouais, tiens, un top 32, c'est crédible, hein. C'est complètement crédible. Tous ces joueurs pourraient se retrouver dans les finales de la Capcom Cup. Tout est en 3 matchs gagnants, je vous rappelle. Il a pris dans la garde le Hadoken, qui veut dire que sur activation des triggers, il n'a pas déconné. Par contre, ça sera l'ouverture directe. Et surtout, hein, Tokido, hein, la puissance encore une fois de son Gouki, décalage moyen point. On a eu des choses extraordinaires à ce NCR, peut-être j'aurai l'occasion de vous en parler. Le tournoi KOF 14 avec un magnifique Koji Kog et son dinosaure qui a aussi sévi d'ailleurs, il me semble, à Street Fighter 4.
On a eu énormément de bons niveaux de jeu sur beaucoup de jeux différents. Et je pense que ça va faire ma semaine en tout cas, d'aller remater un tout petit peu tout ça. Si vous n'avez pas pu mater en direct à cause du décalage horaire, je vous invite quand même à aller regarder tout ça. Je vais essayer de me nourrir, d'aller chercher le maximum de vidéos. Tokido qui fait très attention, retard à l'énergie là quand même. Alors des fois c'est du génie, hein. Tatsumaki with finish, des fois il rate un tout petit peu. C'est de confirmer, ouais, par contre faut pas sauter. Takeuchi qui veut en terminer un tout petit peu trop vite. Et là il y a Demon Main, ouais, Jab qui frame trap avec bas moyen pied. Il est repoussé ici, Fujimura aussi dans le top 8 il me semble. On le verra un tout petit peu après. Donc, je vous dis, oh alors ça, the garanti grattage. Il veut vraiment le round, hein, Takeuchi. Takeuchi qui du coup a marqué un largement meilleur score que Nemo, un Nemo, il me semble, qui doit terminer au top 32 de ce tournoi. Il y avait aussi Crimson, hein, qui était là-bas, qui termine aux portes du top 32. Enfin bref, globalement, on avait bonne sélection et les matchs étaient extrêmement relevés. Ouais, bon, bah, moyen point pour casser le démon de main. Il est quand même dans le coin, Takeuchi. Je pense que Tokido va devoir jouer son Vatu. Il n'a pas spécialement envie d'être envoyé en loser bracket. Le truc, c'est que Takeuchi est quand même un sérieux client. Oh, ouais, spin mixer après petit pied. Ça ne permet pas de sortir du coin. On voit que Tokido reste derrière le chrono. Vas-y, saute vers l'avant. Saute vers l'avant, il n'y a pas de problème. Là, la distance ouais, est bonne. Et il contrôle l'avantage à l'énergie. William l'énergie. Énergie. Et voilà comment on conserve son avantage face à Rashid. Takeuchi qui a mûri hein, quand même, mais force est de constater que sur le premier major de cette saison, son résultat n'a pas non plus été si oufissime que ça. Takeuchi est un joueur très 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 en dents de scie. Lao Gachikun fait des résultats très réguliers. Takeuchi peut manquer un tout petit peu à sa régularité. Et mine de rien, Tokido, Fujimura, Gachikun, Fudo. Enfin voilà, c'est vraiment des joueurs qu'on retrouve là. Avec Punk en interception, hein, celui eh bien, qui représente le talent et le vainqueur, il me semble, du dernier Final Round, est encore une fois dans ce top 8. Là, on retrouve maintenant de la régularité. J'avais prédit justement que les top 8 ne ressembleraient à rien de celui du Final Round, tant ce dernier était bizarre d'un point de vue organisation. Et j'avais prévu que cette année, les top 8 étaient complètement chamboulés et qu'on n'allait jamais savoir qui allait se retrouver en top 8. Et bien finalement, il y a quand même pour le moment des figures qui reviennent, des joueurs qui ont peut-être trouvé la clé entre jouer safe et jouer efficace. Des joueurs qui sont tout simplement peut-être au-dessus du lot. Et je ne serais pas étonné que l'Américain, s'il ne craque pas, Punk en tout cas, et ses chances une nouvelle fois à l'Evo cette année. Ouh, ça fait mal ça. Oh, le pauvre Takeuchi qui se fait ouvrir en deux. Dommage, il n'y a pas de confirme sur le bas petit point alors qu'il avait quand même touché. Gros pied, ouverture V-trigger, Mesten gros point. Il y a le Eagle Strike X qui permet d'inverser les positions. Et de mettre dans le bon sens, il y a stun derrière ça. Bah oui, avant moyen point, Eagle Strike, bien sûr c'est stun. Le comeback de Takeuchi, on y croit. Sur Speed Mixer, avec un mix-up en haut, en bas. Pouah, c'est pas safe. Ah non. Ah non. Ah, il a voulu mettre moins. Enfin, je veux dire, il main le Dragon X de Tokido. Et derrière, sur le cancel, il rate la punition. C'est assez terrible, je dois bien vous avouer. Vraiment, vraiment assez terrible. D'ailleurs, on ne sait plus trop pourquoi Tokido fait ça. En fait, si, on sait, hein, il envoie un coup invincible. Et ensuite, après, il cancel. Bon, il y a un petit espoir que ça ne soit pas puni. Et puis surtout, si ça touche après, bah, il combotte et il s'en sort, quoi. Donc, c'est rentable en fin de partie de tenter ça, un coup invincible et trigger cancel. Même si c'est terminé l'époque des FADC safe. N'empêche que là, Tokido, il mène 2-0. On a l'impression que Takeuchi est bien revenu. Oh, bien joué, le Whirlpool qui fait anti-air. La corner carry après ça.
perdu son V-trigger, cela dit, mais le spin mixer double touche sur la descente du pied, l'avantage positionnel de Takeuchi, on est complètement bien, encore une tornade, et wow, la barre du spin mixer X, et encore Tokido qui appuie sur le bouton, un V-trigger chargé. Des barres de Hex très très hautes. Il a énormément d'avance au score Tokido, donc peut-être s'est-il dit que c'est pas nécessaire de prendre plus de risques qu'il n'en prend actuellement. Ouais, ça c'est la bonne punition, toi, dans un dragon Hex pris en garde, avant le deuxième, tu mets gros points. Et ça, si tu fais ça, déjà tu montres que t'es sûr de toi, tu as bien carotté le dragon, tu le punis parfaitement. C'est une des meilleures façons de punir le dragon. Je crois qu'une autre façon, c'est d'attendre que le deuxième passe au-dessus de toi, timer dash avant, faire saut vertical et casser et d'ouvrir la garde sèchement avec un saut gros coup. On va aussi cette possibilité. Bon réflexe de Takeuchi, commence à s'imprégner un tout petit peu du jeu de Tokido, trop sûr de lui, qui boit dans un bécher. C'est normal. Tupperware rempli d'eau. Ou de produits à lentilles. Après avoir perdu ce set, intelligemment, il va rebasculer vers un caractère select screen. Bien entendu, aujourd'hui, on est le 1er avril. Donc, vous savez, et si vous ne savez pas, je vous l'annonce, hein, mon amour total pour le 1er avril et toutes ces blagues. Donc soyons clairs, si vous regardez ces vidéos aujourd'hui, le 1er avril, il n'y aura aucune blague, ni aucune fake news de mauvais goût ici. Il n'y en aura que de bon goût. 2 à 1, et Takeuchi s'est relancé, lui et son Rachid pistache dans la course, zoné bas gros point est évidemment le meilleur move souvent de Rachid. Se relever en saut vertical, c'est quand même des mouvements très 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 Street Fighter 5. Ouais, il a mis counter hit bas moyen point, il n'a pas voulu prendre le risque de faire un crush counter qui aurait pu ne pas toucher. Dans le recover du spin mixer n'est pas non plus si énorme que ça, tellement de retard à la vie et une très très bonne anticipation. Oh là là. Oh mais quel talent, je vous jure, mais quel talent, hein, ce Tokido. Le saut arrière petit point, vraiment, tu vois, il s'est servi de l'interset pour se reposer un peu l'esprit. Là, il revient vraiment totalement aware, bonne des chopes, mais l'avant gros point ne mangera rien. Non, Eagle Strike, il a voulu faire une vieille phase devant derrière, ça n'a absolument pas fonctionné. Tokido qui a juste marché un tout petit peu et fait whiffer le coup. Le cross-up whiffé aussi, hein. C'est Takeuchi qui a mal estimé la distance à laquelle... Oh, ça va faire mal, ça. Ça va faire mal, ça va faire mal. Ouf. Oh là, s'il réussit un comeback, ce sera un véritable miracle. Takeuchi pour revenir peut-être dans cette demi-finale. Pour ce qu'elle finit en finale winner, elle a tenté whiff finish. Ouais, whiff finish balayette, ça passe pas. Whiff punish juste après jab, ça passe. Et bien le voilà en finale, Tokido. Je dis, hein, il est vraiment très 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 en forme. Il va falloir très probablement compter sur lui pour et bien cette année 2019, évidemment, à n'en pas douter. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut arriver à le faire mettre un genou au sol? C'est ce qu'on va voir évidemment tout de suite après.